Okay, ladies and gentlemen, thanks for coming back in. If you would take a seat, that would be very helpful because we'd like to start now. We're a couple of minutes over. And you've got the programme, no doubt, in front of you. We're moving into a double session here, and I'm going to hand over to Sévan Péquer, who is a journalist with Le Temps, based in Lausanne. And Sévan is going to take on two sessions back to back, the first on the public policy of a large city in the area of sport. And that is with Sami Kanan, who joins us also here. So, Sévan, I hand it over to you. Bon, bonjour à tous. On va passer à la session suisse de ces deux journées de conférence qui sera donc en français. Je commence juste par me présenter brièvement. Donc, je m'appelle Sévan Péquer. Je travaille pour le journal Le Temps qui est à Lausanne depuis 2011. Et puis j'ai été régulièrement amené à traiter des questions de gouvernance au sein des fédérations sportives en Suisse, le CIO, la FIFA, et puis j'ai aussi suivi d'assez près la question, par exemple, du fair play financier de l'UEFA. Je précise que je ne suis pas journaliste sportif, mais je fais partie de la rubrique économique et financière du Temps. Pourquoi je vous dis ça ? Simplement pour souligner, en fait c'est une preuve supplémentaire que le sport, ce n'est pas seulement une question de sport. Pour commencer cette session, qui sera donc en deux parties, on accueille celui qui est finalement notre hôte aujourd'hui, M. Kanan, qui est conseiller administratif de la ville de Genève. C'est donc l'exécutif de la ville. Il est à ce poste depuis 2011. Il a été maire de la ville de Genève jusqu'en juin dernier. Et puis il est en charge du département de la culture et du sport depuis 3 ans. Alors, Monsieur Kanan, peut-être pour commencer, une question assez générale. Expliquez-nous simplement en quoi consiste votre fonction et puis ce qu'elle englobe ou au contraire ce qu'elle n'englobe pas. Oui, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, remercier pour l'invitation aujourd'hui, l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer devant vous, de remercier le International Center for Sport Security d'avoir initié cette rencontre très importante sur les enjeux du sport. Comme l'a dit M. Péquer, le sport, c'est avant tout du sport, mais il y a des enjeux très importants autour de sécurité, dans tous les sens du terme, de propreté. Et l'image du sport dépend aussi des efforts qu'on fait dans ce domaine. Et je remercie beaucoup à SISS et son président et son directeur général d'avoir pris cette initiative, d'être venu à Genève. Bienvenue à Genève, d'être dans cette magnifique salle qui est une des plus récentes salles de conférence que nous avons pu organiser à Genève avec la Genève internationale et de faire ces débats tout à fait passionnants. Alors effectivement, en tant que membre d'un gouvernement de la deuxième ville de Suisse, Genève, en charge du sport, il faut savoir qu'en Suisse, la plus grande partie de l'effort public en matière de sport est fait par les municipalités, notamment les villes, et subsidiairement par les échelons supérieurs, c'est-à-dire les cantons et le gouvernement fédéral. Nous sommes en charge de toute la politique publique du sport au sens large, c'est-à-dire de fournir à la population l'occasion de faire du sport dans toute sa diversité, donc toutes les disciplines sportives, dans des bonnes conditions. Ça veut dire bien sûr des installations, des stades, des piscines, des patinoires, des équipements. Ça veut dire le soutien aux manifestations sportives, ponctuelles ou régulières, aussi bien très locales, les compétitions régionales, les compétitions juniors, mais aussi des manifestations internationales, comme par exemple le marathon de Genève, qui prend un bel essor, le triathlon. Nous avons la belle course de l'escalade, qui est une course à la fois patriotique et sportive chaque année en décembre. Et donc, Service des Sports est le principal acteur organisationnel. On appuie souvent avec beaucoup de bénévoles. Et puis, nous soutenons les clubs, parce qu'évidemment, une bonne partie du sport continue à passer par des clubs. C'est vital pour la formation, l'organisation des compétitions locales, parfois aussi nationales et internationales.
On vient d'accueillir, par exemple, le championnat d'Europe de triathlon à Genève. C'est le triathlon genevois qui l'a organisé avec notre appui. Et pour vous donner un ordre de grandeur, le budget annuel de la ville de Genève pour les sports est d'environ 45 millions de francs suisses. Pour donner un ordre de grandeur, environ. Et nous soutenons aussi le sport d'élite, je le précise, jusqu'au niveau pré-commercial, si je peux l'appeler ainsi. C'est-à-dire que nous soutenons, bien sûr, la formation de la relève élite. Nous venons de renforcer, avec le canton et les autres partenaires, le soutien à ce que la formation aille jusqu'au niveau élite pour le football, le hockey sur glace, le basketball, le volley. Nous faisons aussi maintenant pour les sports individuels. Nous avons maintenant un programme de soutien aux athlètes genevois qui vont aux Jeux Olympiques. C'est nouveau, un complément financier. Parce que vous le savez probablement, dans l'immense majorité des sports, en tout cas en Suisse, même les athlètes d'élite ne gagnent pas leur vie avec leur sport. Donc les athlètes qui gagnent leur vie avec le sport, il y en a peut-être dans le football, le hockey sur glace, un petit peu le basket, je parle toujours de la Suisse, mais disons un championnat du monde de natation ou des champions de rink hockey, pour prendre un sport un peu plus confidentiel, ou de badminton, même s'ils sont élites, ils ne vont pas gagner leur vie, donc on doit les soutenir. Est-ce que, si vous parliez des quelques événements et manifestations sportives qui ont lieu à Genève, est-ce que vous diriez qu'il y a une manière genevoise ou une manière suisse d'organiser ces événements ou ces manifestations sportives ? Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en Suisse, en général, et à Genève en particulier, même si, évidemment, le service des sports, c'est des professionnels, et qu'il y a des professionnels qui nous aident, nous sommes toujours impressionnés de la force du bénévolat, qui est pour nous vital dans le sport, c'est-à-dire que la vie quotidienne des clubs, des fédérations, des manifestations, c'est beaucoup de bénévoles, c'est à la fois aussi une richesse pour la société, c'est-à-dire que c'est des gens qui s'impliquent, donc ils y trouvent aussi une place, une reconnaissance. Notre défi à nous, c'est de les soutenir, qu'on continue à trouver des bénévoles pour les manifestations. Mais c'est vrai aussi qu'une très grande manifestation, j'ai cité avant le marathon ou le championnat européen de triathlon, là, évidemment, il faut un soutien professionnel parce que ça atteint des ampleurs en termes de sécurité, d'accompagnement, de logistique, qui fait qu'on a aussi besoin de professionnels et il faut trouver un bon équilibre. La Suisse est attachée au sport et une des règles que nous avons pour les grandes manifestations, c'est toujours de les ancrer dans le tissu local. Donc, quand je parlais du triathlon, c'est parce que les gens du triathlon genevois avaient envie d'accueillir cette manifestation européenne que nous avons prêté notre concours. Et il y a un fort tissu, je dirais, sportif en Suisse, de sport populaire. Et de temps en temps, ils ont envie, mais ça va jusqu'au... Si je prends l'exemple du tennis, si on a des Federer ou des Wawrinka, c'est parce qu'en général, le monde du tennis suisse est très actif et très riche et que nous le soutenons et que ça peut nous donner des vedettes ou Bencic, pour parler aussi des dames, et que les Suisses sont aussi très fans de belles manifestations, puisqu'on va de nouveau accueillir un match de Coupe Davis à Genève prochainement contre les Pays-Bas. Comment est-ce que, généralement, comment est-ce qu'on incite, on encourage des organisateurs de manifestations ou les associations sportives qui sont actives là, du coup, et présentes toute l'année, à plus d'éthique, ou disons à respecter l'éthique, la transparence dans leur activité? Est-ce qu'il y a une manière, une stratégie pour faire comprendre qu'on veut aller vers plus d'éthique, plus de transparence? Alors, le monde du sport est paradoxal parce que le sport, à la base, véhicule des images, des valeurs très positives. Le sport, c'est évidemment l'effort personnel. C'est dans la société, le sport a plutôt une image positive. Heureusement, on dit que c'est la santé, l'intégration. On sait que si on occupe des jeunes à faire du football ou d'autres sports, il y a moins de risques qu'ils fassent des choses négatives. On sait que ça lie les peuples, que les gens, la compétition sportive est une manière noble de porter une compétition entre composants de la population et ainsi de suite. Il est vrai aussi que le sport peut avoir des défauts, ça peut être la violence, ça peut être le racisme, ça peut être la discrimination liée au handicap ou à l'origine, la couleur de la peau. Même si on est dans un segment qui n'est pas directement le sport, que j'appellerais lié à des enjeux commerciaux, même à notre niveau, il y a un travail de prévention qui se fait en appui au club. De prévention, par exemple, on sait que voilà, s'il y a des dérives de violence ou de racisme, on accompagne les clubs dans ce travail d'information, les entraîneurs, les arbitres. On a lancé, par exemple, une campagne contre la discrimination liée à l'orientation sexuelle, qui reste un sujet très difficile dans le sport. Il y a 2 ans en Suisse, si des gens sont homosexuels, il y en a encore aujourd'hui qui sont discriminés pour cette raison, surtout dans les sports collectifs, ou même les clichés de genre, c'est-à-dire l'image du sport féminin qui reste difficile dans pas mal de sports, le revaloriser. Donc on fait ensemble, la communauté sportive, des campagnes de prévention et d'accompagnement. On a aussi initié une campagne sur un sujet aussi très sensible qui sont les abus sexuels. Et l'éthique en général, officiellement tout le monde est pour, bien sûr, mais c'est vrai qu'il faut accompagner en permanence, expliquer les pièges, parce que parfois c'est des choses qu'on ne remarque pas tout de suite.
Au niveau sport local, évidemment, ça se passe bien, mais il faut que cette culture soit dans tout le sport en général, y compris le sport d'élite, pour être sûr que tout le monde soit pleinement convaincu. Puisqu'on parle de il y a aussi évidemment un aspect, et surtout peut-être même un aspect préventif, est-ce qu'il y a une approche différente pour prévenir la corruption, le dopage, ou peut-être plus généralement l'appât du gain, on peut rappeler comme ça. Est-ce que l'approche est différente en termes de prévention lorsque vous approchez des jeunes, des amateurs, des professionnels, ou alors des jeunes athlètes dont on sait par exemple qu'ils vont être, s'ils sont très bons ou prometteurs, rapidement sollicités par toutes sortes de personnes, d'intermédiaires? Est-ce que vos stratégies ou votre approche est la même pour tous, ou est-ce que il faut cibler selon les profils de sportifs? Je crois qu'on a encore un progrès à faire, parce qu'effectivement, vous parliez à juste titre des jeunes athlètes qui atteignent un niveau qui commence à les rendre intéressants pour des clubs d'élite, et donc qui commencent à avoir des enjeux d'argent. Si vous dites à un jeune de 18 ans en football qui commence à être intéressant pour un club d'élite, donc avec des perspectives aussi de gains financiers, ils ne sont pas tous préparés à gérer ça au niveau personnel et familial aussi. Et donc les clubs, et on les encourage à le faire, développent un coaching, un accompagnement. Et on est en train de voir avec eux comment améliorer ça, parce qu'effectivement, ça peut être un piège, ils peuvent faire des mauvais choix au mauvais moment, et c'est mauvais. On a d'ailleurs maintenant un partenariat de tous les clubs genevois. Si je prends l'exemple du football, c'est aussi le cas pour le basketball et le volleyball, mais c'est plus important dans le football, où tous les clubs, y compris les clubs d'élite et les clubs de base, travaillent ensemble pour déjà que la relève fonctionne bien, que si un joueur fait toute l'échelle et finit par devenir un joueur d'élite, que toute la chaîne en profite aussi, et puis qu'il y ait un accompagnement et que ces personnes ne soient pas larguées dans la nature, effectivement, parce que pour un club d'un quartier ou pour un joueur d'un quartier, il voit d'abord le mirage du bénéfice et se rend compte un peu tard qu'il y a toujours un prix à payer. Donc ça, on est en train de renforcer, on travaille beaucoup avec les autres villes pour échanger les expériences dans ce domaine, mais je pense qu'on a encore un progrès à faire dans ce domaine en termes de méthode, et on est d'ailleurs intéressé aussi à entendre des expériences dans ce domaine. Concrètement, vous parlez d'expérience. Concrètement, est-ce qu'il y a, vous avez vent de très mauvais exemples, ou alors au contraire de très bons exemples, de bonne gestion justement de ce passage du jeune prometteur au jeune professionnel? Dans l'ensemble, à Genève, on n'a pas eu récemment, peut-être que je ne suis pas au courant, mais disons, on n'a pas eu récemment un exemple flagrant d'échec dans ce domaine. Bon, il se trouve que notre premier club de football, malheureusement, a une mauvaise passe en ce moment, le Servette. Mais on a réussi quand même quand je dis nous, c'est aussi bien la collectivité, mais surtout les clubs eux-mêmes, à bien gérer les choses. Mais on sait que le système, justement, connaît ses pièges et ses démons. Et le hockey sur glace, c'est la même chose. Bon, on a un club de hockey qui se porte bien, j'aime ça, le hockey club, qui recrute aussi bien à Genève qu'ailleurs. Et on travaille aussi avec eux. Donc, dans l'ensemble, on a plutôt des expériences positives, mais on est très attentif au fait qu'il faut évoluer avec notre temps, sur tous les domaines, que ce soit les questions de carrière, mais aussi les questions de, voilà, comme vous avez dit, de corruption. Au niveau suisse, on est attentif aussi. Peut-être que la chance de la Suisse, c'est que c'est un petit pays, et que du coup, le marché sportif est moins attractif. Et quelqu'un disait apparemment, là où il y a de l'argent, il y a du crime. Donc comme le potentiel du marché suisse est un petit peu moins intéressant que d'autres, il y a peut-être moins de risques, mais on doit rester très attentif, effectivement. Une dernière question, presque par curiosité, puisqu'on est entre nous, hein. Est-ce que Genève, qui est quand même une grande ville, une ville internationale, reconnue internationalement, est-ce qu'elle a dans sa politique sportive l'ambition de devenir hôte d'une grande manifestation mondiale, continentale? Est-ce qu'il y a une stratégie, une politique pour être plus compétitif? Oui, alors les dernières années, on a renforcé nos efforts dans ce domaine. Je cite de nouveau l'exemple du marathon, parce que le marathon a failli disparaître il y a 4-5 ans. Et c'est pas un hasard, il était porté justement essentiellement par des bénévoles qui ont fait un travail formidable, mais qui étaient arrivés au bout de leur possibilité de placer un événement dans le calendrier sportif. On sait qu'il y a plein de marathons, par exemple. Donc la concurrence est rude pour attirer les marathoniens, attirer les sponsors, parce qu'on parlait d'argent, il faut aussi avoir la capacité d'attirer des sponsors, ce qui est très concurrentiel aussi. Et donc c'est une agence professionnelle qui a pris le relais, qui fait un excellent travail, toujours avec des bénévoles d'ailleurs, mais il y a quand même ce noyau dur, cette capacité de capitaliser sur un portefeuille de manifestations sportives. Et depuis, le marathon monte en puissance chaque année avec 15 000 participants maintenant dans un décor naturel exceptionnel. On l'a vu cette année avec le triathlon. On a de nouveau un tournoi ATP à Genève. Bon, c'est un 250
avec des ambitions plus importantes, de remettre Genève sur la carte du tennis. Donc oui, il y a une ambition de faire de Genève aussi une ville de sport. Elle est connue comme ville de finance, ville internationale, ville de culture, mais il y a une ambition de faire de Genève une ville du sport. Il y a tout un groupe qui planche l'hypothèse d'une étape Tour de France, par exemple. Certains parlent même de Jeux Olympiques, c'est un peu plus compliqué, ça évidemment, surtout que l'image des Jeux Olympiques en ce moment est un peu difficile. Surtout les Jeux, je parle de Jeux Olympiques d'hiver parce que ce ne serait pas possible pour l'été, mais ça c'est plus difficile parce que l'image des Jeux Olympiques est un peu compliquée depuis Sochi notamment. Mais disons qu'il y a l'ambition, et puis ce qui est important, c'est qu'il y ait toujours un bon ancrage dans la population, parce que comme ça amène aussi, ça amène une belle image, ça amène la visibilité, ça amène aussi des perturbations. Genève n'est pas très grand, vous l'avez dit, donc si on fait par exemple une étape du Tour de France, ça va bouleverser la ville pendant plusieurs jours. Donc il faut aussi qu'il y ait un bon accompagnement. Mais a priori, je crois qu'il y a une bonne réceptivité, les autorités sont convaincues d'aller de l'avant dans ce sens. Est-ce que vous bénéficiez ou vous souffrez de la proximité de la capitale olympique qui est Lausanne ? Écoutez, Lausanne, et je les félicite, on réussit à donc, être non seulement le siège du CIO, et c'est très important, on en profite aussi, parce que Genève-Lausanne, c'est une région, à l'échelle internationale, c'est une petite région, même si on aime bien se taquiner entre Genevois et Lausannois, puisque nous, on aime bien dire que ce n'est pas le lac Léman, mais le lac de Genève, et puis Lausannois, évidemment, ils n'aiment pas, mais c'est le Lake of Geneva en anglais. Mais à l'échelle internationale, on est une seule région, et tant mieux d'avoir cette présence de fédérations sportives. Je les félicite d'avoir eu les Jeux Olympiques de la jeunesse, récemment, d'avoir décroché les 2020. Mais en fait, on est complémentaires et on a de plus en plus de contacts avec nos homologues lausannois et vaudois pour travailler ensemble. On va déjà conclure. Est-ce que quelqu'un dans l'auditoire a une question pour M. Canaan ? A priori pas. Donc, je ne sais pas si vous voulez conclure. Ce que j'aimerais dire, c'est que je l'ai dit au début, mais je le précise encore, on sait, à notre échelle, on est peut-être moins directement concerné par les enjeux économiques du sport, mais on les suit de près. Et on sait que quand il y a des scandales dans le sport, bah, la FIFA, par exemple, où c'est une situation très difficile, elle est ancrée en Suisse, nous y sommes très sensibles parce que ça pollue l'image positive du sport. Et donc on est heureux de toute initiative qui permet de ramener, ou en tout cas de renforcer les valeurs éthiques et les valeurs de propreté dans le sport, que ce soit sur les enjeux économiques, sur les enjeux de santé. Parce que effectivement, les jeunes voient dans les vedettes des modèles. Si après on apprend qu'on ne peut pas être une vedette sans être dopé de A à Z, ben ça fausse le jeu, parce que nous on y voit un moyen d'intégration et de valorisation le sport. Donc on se félicite de ces échanges et on espère qu'ils font progresser la cause du sport. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc on peut passer à la deuxième partie de cette session suisse. Donc j'invite Monsieur Sommaruga et Monsieur Buchel à me rejoindre. Donc, deuxième partie de cette session suisse. Bon, comme vous le savez certainement tous, on l'a déjà aussi évoqué ce matin, la Suisse est le pays privilégié par les fédérations sportives internationales. Donc, elle en accueille environ 60. En termes absolus, c'est un gros chiffre. Et puis, je me suis posé la question si, en termes relatifs, c'était aussi impressionnant. Et ça l'est encore plus, donc en cherchant un petit peu, en fait, en deuxième position de ce classement, qui n'existe en fait pas, hein, on trouve Monaco avec 5 ou 6 fédérations. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'il est incontestable que la Suisse a un rôle important à jouer dans l'évolution et dans le débat sur la bonne gouvernance des fédérations sportives. Donc pour en débattre, j'ai à mes côtés, sans aucun doute, les deux politiciens suisses qui sont le plus actifs sur ces questions et sur ce dossier. Le local de l'étape, M. Carlos Sommaruga, qui est conseiller national genevois et membre du Parti socialiste, et puis M. Roland Buchel, que vous avez découvert déjà ce matin, lui aussi est conseiller national, représentant du canton de Saint-Gall,
et membre de l'UDC. Simplement, rapidement, pour citer deux exemples récents des débats dans lesquels ils sont impliqués, M. Buchel nous l'a dit ce matin, hein, il a œuvré à faire en sorte que les dirigeants de fédérations internationales soient considérés comme des PPE, donc des personnes politiquement exposées, et que donc leur activité bancaire, si je peux dire ainsi, soit soumise à une surveillance particulière. Et puis M. Somaruga travaille, lui, notamment à réviser la loi suisse sur la corruption dans le secteur privé qui va donc être discutée la semaine prochaine à Berne. Simplement pour commencer, je voudrais vous demander à chacun votre tour de livrer une sorte de diagnostic de l'approche et du comportement suisse en matière de réglementation et de surveillance des fédérations sportives. Peut-être, M. Somaruga, si vous voulez commencer. Oui, bonjour. Je pense que l'attitude du législateur suisse en matière d'organisation sportive et, on va dire, d'activité économique autour du sport n'est pas très différente que ce soit dans d'autres secteurs, que ce soit commercial ou bancaire. La Suisse, pendant longtemps, et le Parlement a veillé à ce que ce soit ainsi, a essayé d'avoir un différentiel concurrentiel pour permettre d'attirer ici les fédérations sportives et de les maintenir en Suisse. Et ceci avec un certain nombre d'avantages qui peuvent être des avantages matériels, mais des avantages de type droit administratif, mais également avec un certain nombre de lacunes dans la loi pour ne pas être trop regardant dans les affaires telles qu'elles existent, comme cela avait été le cas dans le secteur bancaire avec le secret bancaire. Et dans les deux cas, on a en fait des pressions externes qui sont des pressions qui amènent la Suisse à finalement rejoindre le niveau de jeu international en la matière. Monsieur Buchel, un diagnostic différent, similaire sur le comportement suisse vis-à-vis des fédérations qu'elle accueille sur son sol? Similaire. Je pense que Carlo a encore oublié de mentionner quelque chose. C'est qu'on attire aussi les fédérations en leur... ils ne doivent pas payer des impôts. Et si tout le monde dit qu'ils ne payent pas, on prend toujours le cas FIFA, et là c'est un peu différent. Il y a 4-5 ans, ils payaient $800,000. Et maintenant, ils payent $36 millions par année. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que la pression qu'il y a de la politique et du public n'est pas pour rien. Je ne pense pas que c'est seulement ces raisons pour lesquelles les fédérations sont chez nous. Une raison, c'est bien sûr parce que c'est quand même un pays où il y a la sécurité, il y a les avions qui arrivent, les gens savent les langues. Il y a beaucoup d'avantages, mais il faut avouer que, et c'est pour ça qu'on était critiqué, c'était vraiment ce qui se passait avec la loi, surtout sur les fédérations. Ils peuvent être des petites fédérations, comme je disais avant, une petite fédération comme un club de jazz, ils ont le même statut. Et ça, c'est pour des firmes qui brassent des millions et des milliards par année, c'est plus juste. Et je parle notamment de la FIFA, de l'UEFA et du CIO. Ça, c'est d'ailleurs aussi la raison pourquoi il y a beaucoup d'autres fédérations qui sont venues, parce que dès le moment que le CIO se trouve dans une ville, comme à Lausanne, vous avez le canton de Vaud, qui est juste à côté d'ici, qui accueille beaucoup de fédérations, aussi à cause de la présence du CIO. Cette hétérogénéité des fédérations sportives, il y a les très grandes, les moyennes et les toutes petites. Alors finalement, est-ce que, M. Somaruga, est-ce qu'il y a une approche globale pour mieux cadrer ces fédérations, ou est-ce qu'il faudrait avoir une approche différenciée en créant des catégories? Quelle est la meilleure approche ou la meilleure stratégie pour essayer de se donner les moyens de mieux surveiller ou d'encourager ces fédérations à s'améliorer?
Bon, pour ma part, je reste persuadé que tant que l'on est dans le cadre de la régulation sportive, que l'on soit petite parce qu'on règle des tournois de cartes au niveau municipal ou au niveau cantonal, ou qu'on soit une fédération internationale qui décrète les règles du football ou du basketball ou autre, ça n'a pas beaucoup de différence. La différence essentielle, c'est lorsque des associations ou des fédérations développent une activité commerciale. Et c'est là où, finalement, on a un problème. On mélange, finalement, tout ce qui est le bénéfice, le profit, éventuellement les magouilles financières, avec ce qui est les valeurs du sport et les règles sportives. Et donc, ça donne une espèce de nébuleuse. Pas plus tard qu'il y a 3 mois, j'ai déposé une interpellation au Parlement qui demande au gouvernement suisse d'introduire un nouveau dispositif pour séparer légalement les activités qui sont de régulation sportive des questions commerciales et financières. Bon, le gouvernement a répondu il y a 2 jours, la réponse a été publiée ce matin, et il estime que ce n'est pas judicieux, la régulation suisse est insuffisante. La régulation suisse, faisons une différence entre les petites associations, même à but commercial. Vous pouvez avoir une association qui donne des conseils à Genève pour des personnes âgées, pour leurs impôts, etc., et fait payer quelque chose, et ça reste un chiffre d'affaires de quelques dizaines de milliers de francs. De faire la différenciation entre ces associations-là et les grandes associations, puisque à partir d'un certain seuil, les associations doivent avoir une comptabilité qui est une comptabilité comme les sociétés anonymes, donc les sociétés de capitaux. Le problème, c'est que ce n'est pas seulement la question de la comptabilité ou, disons, de la présentation des comptes et de la transparence, c'est aussi toute la construction de la gouvernance. Une association a une gouvernance qui est libre et qui n'est pas soumise à des contraintes, alors que la gouvernance des sociétés de capitaux en Suisse est extrêmement bien réglée par la loi. Et donc, je reste persuadé qu'aujourd'hui, au-delà de la question qui est de soumettre les dirigeants des fédérations internationales à la réglementation des personnalités politiquement exposées, c'est ce que M. Buchel fait comme combat à Berne, et il est juste que moi je suis soumis à des régulations par ma banque où je suis là depuis 30 ans, et je suis surpris d'apprendre que des membres des fédérations internationales qui brassent des millions voire des milliards ne le soient pas. Et puis l'autre aspect, c'est celui du débat qui va avoir la semaine prochaine au Parlement, faire en sorte que la corruption dans le secteur privé ou dans le secteur commercial, comme on peut le dire, soit criminalisée de manière à permettre des poursuites d'office. Et puis, troisièmement, je pense au niveau de l'architecture des organisations, la séparation du domaine purement régulateur, sportif, etc., du domaine commercial, quelle que soit organisation ou broadcasting, etc. Monsieur Buchel, est-ce que s'il doit y avoir catégorisation dans l'approche que la Suisse doit avoir vis-à-vis des fédérations, est-ce que les revenus commerciaux, la taille globale, l'importance du sport qu'elle représente, quel est le critère finalement qui doit être déterminant, s'il doit y avoir un critère? Bon, je pense que le critère, c'est vraiment la grandeur. Il y a les 3 grands, FIFA, UEFA et CIO, ils sont nettement en dessus de tous les autres. Et je pense vraiment que c'est là qu'il faut faire la limite. Si on fait, et moi j'étais surpris quand j'avais entendu juste avant que aux États-Unis, les dirigeants du sport ne sont pas des personnes politiquement exposées. Chez nous, ils ne le sont pas encore. Ils le seront à partir du 1er janvier l'année prochaine. La loi a été votée, acceptée, il n'y avait pas de référendum contre ça. Ça dure chez nous, ça dure des fois un peu plus long. Mais j'ai déjà deux cas, des personnes, une personne travaille à la FIFA, à Zurich, et l'autre travaille à Monaco, à la Fédération d'athlétisme. Tous les deux, des employés presque normaux, on ne parle pas des gros dirigeants, des directeurs, ou des présidents. Vous savez ce qu'ont dit leurs banques? On ne vous veut plus comme client. La loi n'est pas encore en vigueur. Et maintenant, ça c'est toujours le risque. Vous faites des lois, et après, on exagère. D'abord, on exagère quand on fait les lois. Là, on a exagéré.
comme je l'avais dit le matin, parce qu'on va beaucoup trop loin. Je pense qu'il est juste et important que les présidents, les membres du CIO par exemple, et les membres du comité exécutif de la FIFA soient des PEPS. Mais c'est complètement faux. Si l'employé normal qui a le titre de vice-directeur, vice-directrice à la fédération de tennis ou de table de tennis, je ne sais pas quoi, soit aussi un PEP. Et c'est des personnes comme ça qui ont été foutues dehors de leur banque. Vous voyez, des fois, on fait quelque chose, on exagère. Et on a fait une autre faute, on a oublié l'UEFA, puisqu'on a pris que les organisations mondiales. L'UEFA qui est aussi grand que le CIO et la FIFA. Alors il faut faire très attention quand on fait les lois, mais on voit quand il y a une pression telle, et cette loi a passé vraiment avec une large majorité dans les deux chambres, et tout le monde savait que ce n'était pas une bonne loi, mais la pression était tellement grande qu'on l'a fait passer. Et maintenant la deuxième partie, si on parle, je pense ce qui est connu dehors, c'est la loi l'ex-FIFA. Il y avait des personnes qui ont parlé de ce statut PEP comme l'ex-FIFA. Moi, je ne pense pas que ce soit l'ex-FIFA. L'ex-FIFA vient la semaine prochaine. C'est là où il s'agit, et j'ai ici, c'est quand même une loi, c'est pas rien. Cette loi va faire que la corruption privée devienne un crime d'office. Et ça, c'est un grand changement, un énorme changement. Et tout ce qui se passe maintenant, qu'on a vu, comme le cas ISL et des autres cas, ne serait plus possible dans ce pays. À cause de ces deux changements. Premier changement, PEP, et deuxième changement, la loi sur la corruption. Peut-être là, tu peux encore dire un peu plus. Monsieur Sommaruga, on parle aujourd'hui évidemment beaucoup du rôle de la Suisse, on en a déjà parlé, mais aujourd'hui, la Suisse est vraiment, je dirais, sous une grosse pression internationale. Et est-ce que, alors, on a vu, il y a eu quelques erreurs dans la loi sur les PPE, comme dit monsieur Buchel. Est-ce que aujourd'hui, sous cette pression, est-ce que la Suisse ne risque pas d'agir dans l'urgence avec des lois ou des restrictions mal orientées, trop orientées, trop rapides? La Suisse a l'habitude de légiférer plutôt lentement, donc elle n'a peut-être pas l'habitude de devoir se dépêcher. Est-ce que c'est un risque que la Suisse court pour les quelques mois, quelques années à venir? Alors, j'aimerais d'abord dire qu'effectivement, M. Buchel et moi-même, on est dans le même Parlement, mais aux opposés de l'échiquier politique. Mais mon appréciation sur la loi, sur les PEP, est qu'elle est une bonne loi, et je l'ai votée en pleine conscience, et je sais que ça va mettre dans une situation peut-être plus compliquée un certain nombre aussi de hauts cadres, sans que ce soit des dirigeants. Mais j'estime que avec l'expérience, on pourra donc peut-être restreindre les personnes concernées, ou on disposera d'informations concernant toutes ces personnes, puisqu'il y a des agences aujourd'hui qui collectent les informations sur la probité de l'un ou de l'autre de ces personnes. La deuxième chose, la Suisse n'a pas l'habitude de travailler dans l'urgence. Je rappelle qu'il y a 5 ans, j'ai déposé une proposition de modification de la loi qui a été balayée par le Parlement, estimant que ce n'était pas judicieux. Ça concernait justement la corruption dans le secteur privé, pour que ça devienne un délit d'office applicable à tous les secteurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a fallu que ce soit le GRECO, le groupe d'État contre la corruption, qui est une émanation du Conseil de l'Europe, qui vienne et demande à la Suisse, dans ses recommandations, maintenant vous devez passer à l'action. Et donc c'est le gouvernement qui est venu avec la même proposition, et aujourd'hui on en débat. Et qu'est-ce qu'on constate au Parlement suisse, malheureusement, parce que ça c'est la réalité, c'est qu'on introduit des exceptions dans la loi pour éviter, ou disons pour donner une certaine élasticité à l'application qui ne permettra peut-être pas de faire face à toutes les situations. Donc c'est un débat interne à la Suisse, mais comme je disais en introduction, on a vu cette attitude du Parlement aussi dans d'autres secteurs économiques comme le secret bancaire et la question fiscale. Pour moi, ce qui est aujourd'hui plus inquiétant, c'est que le procureur de la Confédération, lorsqu'il a été à l'hôtel Bauer-Hollach avec les mandats d'amener qui émanaient des autorités américaines, il l'a fait dans le cadre de la collaboration en vue d'extradition. Très, très bien. Mais il faut bien voir qu'à ce jour, le procureur de la Confédération suisse ne dispose pas encore d'une base légale pour pouvoir mener le même type d'enquête qui a été menée aux États-Unis et qu'on est justement en train de la faire. Donc, il est certain que
Heureusement que les États-Unis se sont occupés de ce dossier-là et qu'aujourd'hui, il y a des procédures qui sont actives aux États-Unis. Mais il est clair que si on reposait uniquement sur le dispositif légal suisse, à ce jour, le scandale, disons la fin du scandale de la FIFA, parce que dans la dimension pénale, il y a la résolution de cette situation, serait pas encore là et on n'en serait pas en train d'assister à la réunion qui a lieu aujourd'hui à Berne sur les réformes de la FIFA. Donc je crois qu'il faut bien voir qu'en Suisse, on ne légifère pas dans l'urgence, jamais, et en général, on légifère sur ces questions sensibles sous la pression internationale et extérieure. Et c'est ce qui est regrettable. Et comme je disais au début, c'est parce qu'on va jusqu'au bout en essayant de conserver un différentiel concurrentiel par rapport à d'autres pays qui nous entourent ou qui ont les mêmes activités. Peut-être une petite réplique. En partie, je suis d'accord, en partie, je ne suis pas d'accord. Parce que au bord au lac, c'était le FBI, ce n'était pas les autorités suisses. En même temps, mais on n'en parlait pas autant, le procureur général était à la FIFA. Il a fait moins de bruit, mais il a fait son boulot. Et pourquoi les Américains ont pu faire ça? Parce que, c'est vrai, la corruption n'était pas un délit, mais le blanchiment d'argent, c'est un délit. Et puisque c'est un délit dans les deux pays, c'est important, vous ne pouvez quand même pas avoir les Américains qui viennent dans leur pays pour un crime qui n'est pas un crime chez nous. Mais puisque le lavage ou le blanchiment d'argent est un crime, c'est pour ça qu'on a accepté ça. Et moi, je dis aussi très clairement, moi, j'étais très d'accord qu'on a fait ça. Mais je ne suis pas d'accord du tout qu'on fasse ça avec les journalistes qu'on informe. Ça ne va pas comme ça. Même des personnes corrompues ou présumées corrompues ont le droit quand même à une certaine protection. Je ne pense pas que c'était très bien de faire ça et ça va rendre plus difficile la collaboration avec les Américains. Mais sur le principe, je suis tout à fait d'accord. Il fallait la pression depuis dehors. Et ici, pendant longtemps, on a dormi. Prenez le cas ISL, faillite en 2001. Depuis 2008, on sait que 142 millions ont été payés en pot de vin. Et on n'a rien fait. C'était permis, mais c'est quand même pas normal qu'on fait ça. Et là, je critique aussi un peu les médias. Les médias, on n'était pas assez sur ce cas-là. Et maintenant, avec les Américains, on commence à le faire, et ça, c'est très important. Des fois, il faut vraiment que ça intéresse les personnes, et qu'un cas comme ça, avec cette fameuse toile derrière le bureau-là, qui est devenu fameux, ça aide pour que le public s'en rend compte qu'il y a un problème. Monsieur Buchel, juste, Monsieur Sommaruga a pointé tout à l'heure une des principales critiques dont fait l'objet la Suisse, et évidemment de plus en plus ces derniers mois. On a effectivement parfois l'impression que les autorités suisses, ou peut-être la Suisse plus généralement, a un peu peur d'être trop stricte, trop sévère, trop méchante avec les fédérations sportives qu'elle a accueillies. C'est une critique que vous partagez, ou est-ce que finalement la Suisse n'est pas assez stricte et devrait continuer à les ménager? Non, il ne faut pas continuer à les ménager, bien sûr que non. Et vous avez raison, et Carlos Sommaruga a aussi raison. Le gouvernement, des fois, même avec la pression du Parlement et du public, il traîne un peu. Par exemple, quand moi j'ai demandé un rapport sur le problème, et après des lois si nécessaires, c'était clair, le Parlement a voté à l'unanimité. Le Grand Conseil, ou comment on dit, le Conseil national pour le rapport. Et après, le gouvernement a tout fait pour avoir un an de plus. Ce n'était pas fin 2011, mais fin 2012. On a perdu pour rien une année, et si on n'avait pas perdu cette année, je pense qu'on serait dans une meilleure situation. Oui, vous avez raison, on traîne. Et ce n'est pas bien, ce n'est pas juste qu'on traîne. Il faut faire les choses comme il faut, il ne faut pas traîner. Monsieur Sommaruga, si concrètement, sans citer une fédération, mais si vous entendez qu'une fédération dit, écoutez, si vous implémentez cette loi, ou si vous nous imposez une fiscalité différente que celle dont on bénéficie aujourd'hui, on va voir ailleurs, on a des offres. Qu'est-ce qu'il faut répondre ?
Bon, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, on a un cluster de fédérations internationales sportives en Suisse, dans un pays qui dispose d'infrastructures excellentes, qui dispose aussi, cela a été dit par M. Buchel, d'une situation de sécurité aussi excellente, fait qu'il y a certainement un avantage à être ici, à être en contact avec l'ensemble des organisations. Je fais le parallèle avec les organisations internationales onusiennes qui sont ici à Genève. Ça coûte plus cher d'être ici à Genève avec l'OMPI, par exemple, que le déplacer peut-être à Buenos Aires ou de le déplacer, que sais-je, dans une capitale africaine ou asiatique. Simplement qu'ici, il y a le réseau, il y a les compétences, il y a des infrastructures qui vous permettent de voyager rapidement partout, et je pense que ça, c'est un élément positif. D'autre part, il ne s'agit pas de, je dirais comme ça, entre guillemets, de massacrer les fédérations sportives. Simplement, il s'agit de mettre un cadre qui fasse que celles qui ont l'incapacité de s'autoréguler soient régulées par finalement les autorités. Je reste persuadé aussi que la question de l'exonération fiscale est problématique. On sait systématiquement que la criminalité financière est aussi liée avec l'évasion fiscale et ce genre de choses. Si vous avez à devoir payer des impôts et si vous avez la possibilité d'avoir des contrôles fiscaux, quitte à ce qu'on fasse un certain nombre de rabais, vous donnez aussi au fisc la possibilité d'avoir un œil sur le fonctionnement interne des organisations, sur les activités commerciales, etc., et aussi de détecter les choses. Et comme en Suisse, on s'est finalement mis à niveau sur, et on est en train de se mettre à niveau sur la question du blanchiment d'argent de délits fiscaux, ce qui n'existait pas jusqu'à il y a peu de temps, donc ça permet certainement aussi d'agir à titre préventif. Je pense qu'il n'y a pas à imaginer que ces fédérations elles partent. Il n'y a pas à imaginer le fait d'une intrusion dans les organisations. Il faut un dispositif qui soit un dispositif de prévention, en sachant que les moutons noirs, eux, n'échapperont pas. Parce qu'on sait que la majorité se comporte correctement. Juste avant de passer à la petite séance de questions, juste vous entendre, chacun de vous, s'il vous plaît, brièvement, concrètement, donc on l'a dit aujourd'hui, vous l'avez rappelé, aujourd'hui seront présentés les premiers travaux de réforme qui se sont engagés à la FIFA. J'aimerais bien juste vous entendre sur ce que l'on entend, ce qui devrait normalement être engagé comme réforme. Alors pas sur les circonstances, on a entendu un petit peu tout à l'heure, mais plutôt sur le fond de ce qui va être proposé et, espérons-le, implémenté. Peut-être M. Buchel, d'abord. Bon, d'abord, c'est bien que ce travail est fait. Mais on peut quand même avoir l'impression qu'il essaie un peu de gagner du temps depuis 4-5 ans. Et tu as toujours des personnes qui proposent, mais qui ne peuvent pas décider. Et qui décide finalement sur ces changements? C'est les personnes qui sont corrompues eux-mêmes. C'est les personnes du comité exécutif, et c'est quand même un peu bizarre que ces personnes, et après le congrès, décident, on gagne toujours du temps, mais c'est bien, je pense maintenant, avec la pression, avec Mme Lynch, la ministre de justice américaine, qui va venir en Suisse dans 2 semaines, avec ce qu'on fait mardi prochain au Parlement. Et je pense que ce n'est pas un hasard que la FIFA est allée à Berne pour présenter ce qu'ils présentent. Mais finalement, si on dit que les gens peuvent rester seulement, je sais pas, pendant 8 ans et pas pendant une vie, alors si ça, c'est les grandes réformes, moi, je suis un peu déçu. M. Somaruga ? Je vais être catégorique, j'ai aucune confiance au travail qui se fait au sein de la FIFA. Quand j'ai déposé mon initiative, M. Sepp Blatter a dit publiquement que c'était une excellente chose. Quelques années plus tard, il a envoyé les lobbyistes de la FIFA pour bloquer les travaux parlementaires. Aujourd'hui, on peut avoir certainement des bonnes propositions qui sortent. La question est simplement de savoir comment on peut les implémenter dans l'organisation et comment on peut ensuite s'en assurer dans la durée. Et là, j'ai quelques doutes. Quelques doutes aussi au niveau de la construction générale de l'architecture de la FIFA, qui nomme qui. Et donc, on a là des situations où les pouvoirs actuellement sont ainsi construits qu'il est difficile de pouvoir imaginer que des régulations s'appliquant à tout le monde du football puissent partir de la FIFA et perler partout. Donc,
je suis très circonspect. Merci. On a quelques minutes si quelqu'un dans l'auditoire a une question pour nos intervenants. Aucune question, donc on a certainement été très complet. Voilà, on va conclure comme ça. Merci messieurs de nous avoir donné la vision suisse des fédérations, par rapport aux fédérations sportives. Merci. So many thanks to you indeed for both of those sessions. Very enlightening. Thank you very much indeed.